Aujourd'hui, on va parler de NAS. Alors, un NAS, c'est quoi ? NAS, ça veut dire Network Area Storage. Notez qu'en informatique, il existe également des SAN, mais ça, j'y reviens plus tôt dans l'article de blog un peu plus complet que je vous ai mis. Je vous invite à aller le lire. La fonction première d'un NAS après le partage des données qui sont hébergées dedans, et ça, ça peut vous intéresser si vous êtes particulier et qu'il y a plein de monde à la maison, et bien évidemment en entreprise, on peut imaginer un dossier pour le service compta, un dossier pour le service direction avec différents droits d'accès. Ça va être l'accessibilité des données qui sont à l'intérieur du NAS, parce qu'on peut aller à l'intérieur moyennant mot de passe et login bien évidemment depuis l'extérieur de l'entreprise ou l'extérieur de la maison, et ça c'est sympa quand vous parlez à mamie des photos de vacances que vous aviez avec les petits, que vous n'êtes pas à la maison et que vous dites « Ah, c'est trop dommage qu'on les ait pas amenés », et bien hop, un petit coup sur l'ordinateur de mamie, vous accédez dans le NAS et vous allez chercher les photos. Et ça, c'est quand même bien sympa. Vous allez avoir un petit App Store qui va être intégré au NAS, en tout cas sur des marques comme Synology, QNAP, et à mon avis, vous devez avoir ça chez TQ, c'est des links maintenant qui vont être les différentes grandes marques de NAS, même si j'ai ma grosse préférence pour Synology, en tout cas tous les produits qui sont là, que ce soit celui-ci à deux disques, celui-ci a deux disques également, et là on est sur un 4 disques de Synology de l'année 2018. Donc pourquoi il y a autant de disques durs dans un NAS ? Alors c'est pas seulement pour disposer d'un grand espace de données, ou bien évidemment quelqu'un qui va y stocker de la musique a moins besoin d'espace que quelqu'un qui va y stocker une armée de films, ou qui est freelance en vidéo et qui filme en 4K et qui revient avec 7 heures de vidéo quand il revient de tournage. Donc bien évidemment c'est comme ça que vous allez dimensionner votre besoin. Mais un NAS utilise surtout ce qu'on appelle un RAID en informatique. Alors il y a plusieurs RAID qui existent, le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5, ça pareil, je vous le détaille dans l'article sur le blog. Dans un NAS de disques, ce qui est vraiment ce que je conseille à un particulier, on va utiliser traditionnellement le RAID 1 parce que les autres n'ont pas vraiment d'intérêt. Le RAID 1 c'est quoi ? Ce qu'on appelle aussi le RAID miroir, ça va être que tout ce que je mets dans le disque numéro 1 ici dans le tiroir de gauche, eh bien va se cloner automatiquement dans le disque numéro 2. De ce fait, si ce disque il pète, et croyez-moi qu'un disque ça pète, et qu'un disque quand ça pète, et ben ça prévient pas, et que quand ça pète, et ben ça fait mal, que votre sauvegarde sur votre disque externe que vous rangez avec la sacoche de l'ordinateur portable et donc qui se fera voler en même temps sur le siège arrière de la bagnole en vous pétant la vitre, votre clé USB que vous branchez dans l'ordinateur portable, vous lui mettez un petit coup de poignet et paf, c'est dessoudé au niveau du connecteur. Enfin, on n'est pas là sur des niveaux de sauvegarde suffisantes, même si un NAS n'est pas non plus un niveau de sauvegarde suffisant, en tout cas pour une entreprise, une PME qui va stocker toute sa compta ou ses données importantes dedans, ou si vous êtes un véritable professionnel. Là-dessus, un seul NAS va pas être, même avec deux disques ou plusieurs disques, un niveau de sécurité suffisant de backup. Le NAS peut aller de lui-même se connecter à un cloud pour faire une sauvegarde supplémentaire, et on peut connecter deux NAS entre eux, moi c'est pour ça que j'en ai plusieurs, où l'un va aller automatiquement se synchroniser avec un deuxième, et le top du top, vous en mettez un chez un copain qui a de la fibre optique tant qu'à faire, et ça va se synchroniser tout seul par internet, et dès que je vais mettre une photo dans celui-ci, eh bien la photo elle va partir chez le pote copié dans celui-là. À ce moment-là, votre NAS de backup, il peut bien évidemment être équipé d'un seul disque dur, puisque là, c'est le NAS, le deuxième NAS de sauvegarde de la sauvegarde, ce qui est très utile en cas de dégâts des eaux, incendie, cambriolage, EDF qui joue avec le 220 volts et qui vous grille tous les appareils électroménagers de la maison. Attention à ça, j'avais un peu évoqué la chose dans ma vidéo intitulée sobrement sauvegarder. Donc pour moi, véritablement, le bon choix pour un particulier, c'est le 2 disques. Évitez les modèles à 50 balles de chez D-Link qui font des copier-coller avec des débits complètement pourris. Ne faites pas les crevards à 50 euros près, parce que croyez-moi que dans 2 ans, lorsque vos disques durs vont être complètement pleins et qu'il faudra vider toutes vos données entre les anciens disques et les nouveaux disques, bah vous serez peut-être pas content d'avoir fait la petite économie de bout de chandelle. À la limite, si vous vouliez payer en plusieurs fois, bah vous achetez le premier disque le premier mois et puis le deuxième disque le mois d'après. Quand vous allez l'insérer dedans, le NAS va vous dire « Dis donc, ça te dirait que je te copie tout le disque 1 dans le disque 2 ?» Vous faites « Oui » et c'est fini, vous avez fait votre paiement en deux fois. Ou alors, vous êtes un YouTuber qui fait carrément le crevard et qui s'achète un 4 disques et qui, ici, vous voyez, mes deux tiroirs 3 et 4, eh bien, pour l'instant, ils sont vides également. C'est ce qu'on appelle, bah, techniquement, un paiement alors, en trois fois, puisque j'ai acheté les deux premiers en même temps pour quand même avoir donc ce premier niveau de sauvegarde. Qu'à noter pour les professionnels qu'il existe des modèles avec 4 disques, 5 disques, 10
10 disques. On peut même en avoir des dizaines et des dizaines. Où là, on peut carrément utiliser ce qu'on appelle du RAID 5 ou du RAID 6. Et là, à ce moment-là, on peut perdre n'importe lequel des disques. Et même en RAID 6, on peut perdre deux disques n'importe où dans la grappe de disques sans perdre absolument aucune donnée. Bien évidemment, ça a pour conséquence, lorsque vous utilisez deux disques en mode miroir, eh bien, vous n'avez la capacité que d'un seul. Et oui, si vous achetez, je ne sais pas, 2 x 4 Tera, eh bien, vous n'aurez que 4 Tera utilisables et non 8. D'ailleurs, vous verrez que vous n'aurez même pas 4, mais plutôt 3,5, voire 3,2. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, cerise sur le gâteau, les NAS, en tout cas chez Synology et QNAP, qui sont les deux plus grosses marques qui se poussent la place de leader, même si on a TQ, Asus Store qui pousse derrière, mais en tout cas, Western Digital, D-Link, tout ça, où vous allez trouver des produits bien moins haut de gamme. Vous aurez beaucoup moins d'options dessus, avec des interfaces beaucoup moins sympas, donc je vous les déconseille. Après, je suis sûr qu'avec le temps, ils vont s'améliorer et proposer quand même des produits très honorables avec des prix peut-être moins onéreux que ces choses-là. Mais croyez-moi, moi je m'embête plus. Je sais que je mets le prix sur un Synology. Alors, un 2 disques correct chez Synology, on va être aux alentours des 150€. Sans les disques, donc après il faut aller acheter les disques durs. Là encore une fois, les disques durs à l'heure actuelle, les 3-4 Tera, c'est vraiment pas cher. À partir des 5-6 Tera, le prix monte, mais c'est honorable. À 8-10 Tera, le prix décolle un petit peu, et puis si on dépasse les 10 Tera, c'est encore très très cher. Encore faut-il en avoir l'utilité, et puis sinon on passe sur plus de disques, les 4 ou les 5 disques, et évidemment là on fait exploser le nombre de données qu'on peut se permettre de stocker dans un seul NAS. Et attention à leur sauvegarde ensuite. Tu as un espèce d'App Store, alors à l'identique de ce que tu vas retrouver dans ton Android ou ton iPhone. Tu vas pouvoir aller installer en un petit clic sur le petit site web du NAS des applications avec un équivalent un petit peu de Deezer pour te faire ton petit Spotify privé pour écouter ta musique, même si t'es pas chez toi. Tu vas pouvoir aller la streamer. La musique, elle va partir de chez toi, elle va arriver en 4G, tu vois, dans ton téléphone. Tu vas pouvoir accéder à tes données photos, ça va pouvoir te construire des galeries web, tu vas pouvoir héberger un site web, tu vas pouvoir faire un serveur de mail, tu vas pouvoir faire un serveur de vidéo surveillance, tu achètes une petite caméra IP, tu fais un tout petit réglage dans le NAS, et à ce moment-là, dès que ta caméra IP, elle va détecter quelque chose chez toi. Alors j'espère que ce sera ton chat et plus tôt qu'un cambrioleur, et ça va enregistrer en fait ce que détecte ta caméra directement dans ton NAS, et ça c'est plutôt cool. Et ça peut être le NAS qui t'envoie directement un email. Je sais qu'il y a une très belle application dedans qui s'appelle Surveillance Station et qui va pouvoir te positionner tous les enregistrements sur un agenda, et c'est plutôt bien fait. On peut connecter plusieurs caméras comme ça. Et tout ça, ce sont des applications qui sont pour la plupart gratuites et intégrées. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Tu as d'autres applications qui peuvent être le Download Station pour aller directement sur BitTorrent, télécharger des films, des musiques, des jeux, des copies de sauvegarde et puis des ISO Linux. Et cette appli, elle marche aussi très 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 bien, et ça c'est plutôt cool. Et puis une fois que ta donnée, elle est dans ton NAS, et bien ton NAS, il va être vu soit par ta box télé, soit par un petit boîtier type Xiaomi Box, et tu vas pouvoir aller lire le film qui est stocké dans ton NAS directement, soit sur ta télé connectée, soit sur ta petite box multimédia. Ça va en fait partager dans toute la maison tes données, bien évidemment si tu le souhaites. Et tu peux bien évidemment mettre différents droits avec papa, maman, ils ont le droit d'aller dans tel dossier. Et les enfants, ils peuvent aller chacun dans leur dossier ou ils ont un dossier enfant. On peut régler les droits comme ça très finement, puisque à la base, ce sont quand même des produits qui sont utilisés plutôt pour l'entreprise. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur les aspects techniques d'un NAS parce que on est sur YouTube et que je suis en concurrence dans la colonne d'à côté avec les petites vidéos de chatons. Elle est mignonne. Si cette vidéo t'a convaincu ou t'a décoché un sourire, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi et partage-la. Ciao !